sur Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté, en ce dimanche 21 juin, troisième dimanche après la Pentecôte. Trois invités dans notre émission, tout d'abord monsieur le chanoine de Beaurepaire, des servants de l'église Saint-Patrice à Rouen, qui viendra nous parler du Sacré-Cœur, puisque le mois de juin est le mois consacré au Sacré-Cœur. Ensuite, par téléphone, nous aurons Mgr Ginoux, évêque de Montauban, qui viendra faire avec nous un petit bilan de la crise du coronavirus, comment il l'a vécu dans son diocèse, et ce qu'elle nous dit également des rapports de l'Église et de l'État aujourd'hui. Et enfin, Pierre de Lauzin, qui vient de publier aux éditions MAM un ouvrage tout à fait passionnant, « L'argent, maître ou serviteur ». Bonjour monsieur le chanoine. Bonjour monsieur. Vous êtes prêtre de l'Institut du Christ Roi, souverain prêtre, et comme nous l'avons dit, des servants de l'église Saint-Patrice à Rouen. Et vous venez nous parler du Sacré-Cœur, puisque le vendredi qui suit le deuxième dimanche après la Pentecôte est la fête du Sacré-Cœur. Alors pourquoi y a-t-il une dévotion particulière au Sacré-Cœur de Jésus, plutôt qu'à ses mains, à ses pieds, à sa tête ? Oui, la première question c'est pourquoi est-ce qu'il y a des dévotions déjà ? Et c'est vrai qu'on voit que dans la théologie, comme dans la liturgie, on va progresser, découvrir tel ou tel aspect de la divinité, du mystère du Christ, là en l'occurrence. Et pour prendre une comparaison physique, je dirais qu'il y a une sorte de phénomène de diffraction. En fait, on va étudier, d'abord il y a Dieu un, l'unité de Dieu incompréhensible, l'infinie majesté de Dieu, bon. Et puis on s'en approche, mais on a du mal à voir la lumière éblouissante d'un coup. Alors on va opérer une diffraction qui va nous permettre de voir les sortes des différentes colorations du mystère de Dieu. Et le Sacré-Cœur est une de ces colorations, voire même peut-être celle qui va un peu récapituler les autres. Voilà, le centre, la source, le motif même de la venue du Christ. Alors, que nous dit cette dévotion du Christ et en particulier, quels éclairages nous apportent les lectures de la messe du Sacré-Cœur ? Alors, dans la messe du Sacré-Cœur, donc il y a pas mal de... Elle fait appel à différentes sources bibliques, toutes celles qui font appel justement à cette source, à cette... Du salut, du Christ qui vient nous sauver. Nous avons l'épître de saint Paul, bon, qui nous parle lui-même plus du mystère du cœur de Dieu, comme pour faire ressortir sa grandeur, voilà, dont on ne peut percevoir ni la largeur, ni la longueur, ni la hauteur, ni la profondeur, le mystère insondable de toutes les richesses du Christ, du cœur du Christ. Et puis je voudrais peut-être m'arrêter un peu plus sur l'évangile. C'est l'évangile de saint Jean, et c'est un épisode narratif qui nous compte cet épisode du cœur transpercé du Christ sur la croix. Alors que voit saint Jean ? Il voit le cœur du Christ transpercé, il voit couler le sang et l'eau. Et il s'agit du même apôtre, on se souvient, qui quelques heures plus tôt avait posé sa tête sur la poitrine de Jésus. On peut imaginer qu'à ce moment-là, il a découvert d'une certaine façon le secret profond de tout le mystère de la rédemption, c'est-à-dire l'amour. Et on se souvient, il faut vraiment faire le lien entre le discours après la scène que nous avait déjà rapporté saint Jean et puis le cœur transpercé. Vous voyez, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Je vous laisse mon commandement, etc. C'est le commandement suprême. Et réellement et symboliquement, ce cœur va être transpercé, comme pour signifier d'une part que la totalité de l'amour qui nous est donné jusqu'à la dernière goutte, voilà, il est transpercé, il se vide totalement de son amour pour nous. Et puis, d'une autre façon, c'est comme si, après nous avoir donné le fruit de son cœur, il nous donnait son cœur lui-même, il nous donne la source de l'amour, il nous le laisse, dans lequel résident tous les trésors. Et si vous me permettez, je voudrais vous donner une petite citation, une sorte d'échange de cœur. Vous voyez, il nous demande son cœur, il nous donne son cœur, et ça fait penser à cette célèbre apparition à sainte Marguerite Marie, qui exprime très bien cela. Voilà ce que lui dit Jésus. « Il me demanda mon cœur, lequel je le suppliais de prendre, ce qu'il fit, et il le mit dans le sien adorable, dans lequel il me le fit voir comme un petit atome qui se consumait dans cette ardente fournaise, et l'en retirant comme une flamme ardente en forme de cœur, il le remit dans le lieu où il avait pris en disant « Voilà, ma bien-aimée, un précieux gage de mon amour, je renferme dans ton côté une petite étincelle des plus vives flammes de mon amour pour te servir de cœur et te consumer jusqu'au dernier moment. »
Voilà, c'est un petit peu ce que nous avons dans cette apparition, finalement, l'explication un petit peu justement de ce grand mystère du cœur transpercé qui se donne à nous et qui fait vraiment le cœur de la liturgie de la messe du Sacré-Cœur. Et alors, qui ont été, à travers l'histoire de l'Église, les propagateurs de cette dévotion au Sacré-Cœur? Quelle en est l'origine et quels sont les saints, puisque ce sont des saints a priori qui l'ont propagé? Oui, alors nous avons déjà... Alors, il y a toujours le lien, surtout dans la dévotion au Sacré-Cœur, entre les apôtres, en fait, seront des âmes privilégiées. Et on a toujours un problème avec les âmes privilégiées. On se dit, s'il y a les âmes privilégiées, révèlent bien l'inégalité du plan de Dieu, le fait que pourquoi certains et pas d'autres. Alors en fait, les âmes privilégiées ont pour mission d'être justement des révélateurs de l'amour. Ils l'ont compris, ils l'ont vécu et ils nous en parlent. Donc, quelles sont ces âmes privilégiées qui seront les apôtres du Sacré-Cœur? Bon, on a déjà Saint Jean l'Évangéliste, on vient d'en parler. Il y en aura beaucoup, ce sera difficile de s'attarder sur tous, il faudrait parler beaucoup plus longtemps. Sainte Gertrude, qui va préfigurer les grandes apparitions de notre Seigneur à Sainte Marguerite Marie, évidemment à Paray-le-Monial. Alors, il vaut mieux s'attarder sur Sainte Marguerite Marie, parce que, en fait, Jésus lui est apparu pour l'Église. Voilà, pour instaurer cette fête du Sacré-Cœur. Donc elle a une dimension universelle, en fait, cette apparition à Sainte Marguerite Marie. Ce qui frappe aujourd'hui, c'est toujours, quelles que soient les âmes auxquelles le Sacré-Cœur s'est révélé, il y a toujours le lien entre le fait d'être comblé d'amour, avec de faire l'expérience de toute la tendresse, la miséricorde, la grandeur du cœur de Dieu, et puis en même temps une très grande exigence. Alors ça nous montre tout de suite cette dimension de l'amour. Tout de suite, Jésus place cet amour dans le domaine du don et pas simplement dans le domaine du sentiment, évidemment. Et puis on a évidemment, un peu plus tardivement, à notre époque, et c'est bien de prendre une figure un peu plus moderne, surtout qu'elle est d'actualité, c'est le bienheureux Charles de Foucault, qui va être canonisé prochainement, qui ne concevait pas la foi sans le don. Il a abandonné finalement l'amour du Christ en abandonnant la foi et il va retrouver l'amour en retrouvant la foi. Voilà. Il disait, je compris que je ne pouvais pas faire autrement que de vivre pour lui, à partir du moment où il l'a connu. Alors la dévotion au Sacré-Cœur n'a pas obligatoirement bonne presse, elle n'a pas été peut-être toujours favorisée par les représentations sulpiciennes de la fin du XIXe siècle. Non, c'est sûr. Elle peut être considérée comme une dévotion un peu passéiste et doloriste. Que répondez-vous à cela ? Alors, effectivement, le Sacré-Cœur a marqué notamment le XIXe siècle, et du coup, ça véhicule un petit peu cette image dont vous avez parlé, ça c'est sûr. Il faut vraiment le remettre dans le contexte historique. Notre Seigneur apparaît à un moment qu'il a choisi lui-même. Et c'est rare, parce que souvent, c'est l'Église qui, sous l'inspiration de l'Esprit-Saint, va en fait finalement entraîner un développement du dogme, comme un développement de la liturgie. Et là, Jésus apparaît en plein XVIIe siècle à une religieuse qu'il a choisie pour lui demander « Je veux telle fête, tel jour, et je l'institue à telle époque, et ça a un sens. » Il disait qu'il avait attendu une époque, il a quand même attendu 17 siècles, une époque où la charité se serait refroidie. Et il y a beaucoup de choses au XVIIe siècle. À la fois, ça précède l'époque du... Le siècle du jansénisme, qui avait insisté évidemment sur cette toute puissance de Dieu, mais qui pouvait laisser penser que du coup, Dieu décidait arbitrairement. Justice implacable. Voilà, exactement. Donc il fallait remettre l'amour vraiment comme source du salut. Il y avait cette doctrine horrible de la prédestination qui avait été aussi portée par les calvinistes. Et puis aussi, vous savez, au cours des siècles, on avait lutté contre les hérésies par la réaffirmation de la foi. C'est vraiment la lumière de la foi qui était la réponse. Et là, on est face à un phénomène nouveau qui est l'indifférence, l'impiété. Ça va être bientôt le siècle des Lumières. Et là, en fait, finalement, la foi ne répond plus d'une certaine façon parce qu'on s'en moque. Et donc, le Sacré-Cœur va être vraiment la réponse. Vous voyez, le Sacré-Cœur, vous me parliez du côté doloriste. Oui, évidemment, le Sacré-Cœur, c'est le Vendredi Saint. Il y a la souffrance, évidemment, dans le Sacré-Cœur. Mais, vous voyez, c'est pas... de même que la fête Dieu, d'une certaine façon, montrait la splendeur du Jeudi Saint, qui était comme une atmosphère, qui était toujours la Semaine Sainte, eh bien, le Sacré-Cœur va être la grandeur, le côté magnifique du Vendredi Saint. Il y a de la douleur, mais surtout, il y a la beauté, il y a l'admiration, voilà, du cœur de Jésus.
Et c'est plutôt la grandeur, moi, qui ressort, je trouve, de la fête du Sacré-Cœur, plus que le côté gentillet, parfois au mièvre, qu'on a pu avoir dans la dévotion au Sacré-Cœur. C'est grand, c'est extraordinaire, c'est l'amour total jusqu'à la dernière goutte, le Sacré-Cœur. Eh bien, merci beaucoup de ces explications, monsieur le chanoine. J'espère que cela nous donnera l'occasion à tous de profiter de ce mois de juin pour accroître notre dévotion au Sacré-Cœur. Je me permets pour nos téléspectateurs de leur conseiller deux lectures autour de ce sujet. Tout d'abord, une encyclique de Pie XII qui s'appelle « Aurietis aquas in gaudio » du 15 mai 1956. Et puis, un ouvrage qui s'appelle « Un appel à l'amour, message du Sacré-Cœur à Sœur Josefa Fernández ». Donc, c'est une religieuse d'origine espagnole qui a vécu au début du XXe siècle à Poitiers, dans une communauté dédiée au Sacré-Cœur. Et l'ouvrage est vraiment tout à fait extraordinaire. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le chanoine. Bonjour Excellence, vous êtes donc évêque de Montauban. Nous vous remercions de participer à cette émission. Vous avez publié le 11 mai dernier une lettre à vos diocésains en pleine crise du coronavirus, dont la tonalité était assez originale. Que disiez-vous à vos diocésains dans cette lettre ? Je vous remercie, cher Jean-Pierre, de trouver la tonalité originale de cette lettre au diocésain de Montauban. Pourquoi l'ai-je publiée le 11 mai ? Eh bien, vous savez bien que c'était la première phase de déconfinement. Mais c'était aussi pour moi un anniversaire, puisque le 11 mai 2007, j'étais nommé évêque de Montauban. Et donc, je me suis efforcé depuis de remplir ma mission avec ce que l'Esprit-Saint peut donner de force, mais ce que nous pouvons aussi en accueillir. Par ailleurs, je voulais montrer qu'au moment où tout allait reprendre, on était encore en grande discussion sur la reprise des cultes, la reprise publique des cultes. Car si les églises ont toujours pu rester ouvertes, et j'ai beaucoup tenu à ce que nos églises dans le diocèse de Montauban soient ouvertes, j'entends les églises principales évidemment, et qu'il y ait des célébrations d'obsèques dès que c'était possible, c'est-à-dire tout le temps, nous n'avions pas la possibilité d'accueillir les personnes pour le culte public. Donc j'ai voulu d'une part rassurer les diocésiens, d'autre part rappeler que tout allait s'ouvrir pour les grandes surfaces, pour les activités, et qu'il y avait encore des incertitudes sur l'ouverture au public de nos églises. Et c'était un manque certain, l'État oubliait la dimension spirituelle de cette crise et le droit de la personne humaine à pratiquer totalement sa religion dans un pays de droit et de liberté, en insistant sur ce qu'est la liberté religieuse, rappelant aussi que le Concile Vatican II, parfois mal compris sur ce point, avait rappelé cette liberté religieuse. Voilà ce qui était le résumé de cette lettre au diocésain de Montauban, rappelant que la messe est la vie de l'Église catholique. Que nous disent justement ces trois mois de confinement des relations de l'Église et de l'État en 2020 ? Lorsque nous regardons les relations de l'Église et de l'État, nous nous apercevons qu'il y a quelques bavures, des propos d'un ministre qui manifeste la méconnaissance de ce qu'est l'Église catholique. Il y a également, depuis 2010, ce n'est pas nouveau, l'assimilation de toutes les religions à un dialogue commun avec l'État, le président de la République ayant eu une visioconférence avec tous les représentants des religions et des familles de pensée, puisque la franc-maçonnerie, le comité laïque, etc., en font partie, le comité scientifique aussi, et donc des athées, des gens qui ne veulent pas de religion, font aussi partie de cela, si bien que la spécificité de chaque tradition religieuse n'est pas prise en compte, et particulièrement pour nous catholiques, la spécificité de la messe, de la sainte messe, c'est-à-dire de la présence sacrée de Jésus ressuscité que nous vivons à chaque Eucharistie et que nous pouvons aussi porter aux personnes malades, aux personnes en fin de vie. Cette qualité unique
de la messe n'est pas un rassemblement quelconque, n'est pas un rassemblement pour prier ensemble. Bien sûr que nous prions ensemble, mais c'est bien au-delà. M. Castaner avait dit qu'on pouvait prier chez soi. Mais bien sûr, nous sommes tout à fait d'accord. Mais la messe n'est pas qu'une prière. Elle n'est pas qu'un repas, que le repas pascal. Elle est le sacrifice non sanglant du Christ sur la croix. Elle est le fondement de notre foi. Il est grand, le mystère de la foi, le mysterium fidei est présent. Là, nous le vivons là. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Et nous avons besoin de la nourriture spirituelle, de la nourriture qu'est l'Eucharistie. Hier, nous avons fêté la fête du Saint-Sacrement, le Corpus Domini. C'est nous rappeler que Jésus est là et que nous célébrons sa présence et qu'il est là pour nous, pour se donner à nous, afin que nous nous donnions aux autres. Voilà ce qu'il fallait exprimer. Et ce confinement des relations de l'Église-l'État a amené à une certaine atténuation, pour ne pas dire égalisation, de tous les comportements, du comportement de l'État vis-à-vis de toutes les religions et de toutes ses formes. Et surtout, a mis en second lieu la participation des religions à la crise, c'est-à-dire le secours spirituel que nous pouvons apporter, et particulièrement l'Église catholique au moment de la mort, l'Église catholique dans l'accompagnement des fins de vie, l'Église catholique dans l'accompagnement des malades, a été mise de côté, puisque dans la plupart des EHPAD, il était interdit aux prêtres d'aller visiter les malades en fin de vie. C'est de la non-assistance à personnes en danger spirituel. Ces personnes ont dû mourir seules, ce qui n'est pas convenable, ce qui n'est pas juste humainement. Alors, donc, en complément de cela, si vous le permettez, la législation civile prévoit l'obligation que le mariage civil précède le mariage religieux. Oui, depuis Bonaparte. Voilà, en interdisant les mariages civils, par le fait même, l'autorité politique a interdit les mariages religieux, s'immisçant d'une certaine manière dans un aspect purement cultuel. Qu'est-ce que cela vous évoque ? Cela nous rappelle aussi qu'il y a un décalage entre l'engagement religieux et l'engagement civique, et que nous avons aussi des personnes qui souhaiteraient ne pas passer par la mairie pour se marier. D'ailleurs, dans d'autres religions, c'est bien ce qui arrive. Le mariage dit coutumier, qui est reconnu et qui se fait dans des pays étrangers, c'est bien cela. C'est un mariage qui n'est que religieux. On pourrait envisager une évolution de la loi. Cette loi n'est pas une obligation, mais ceci remettrait en cause la sacro-sainte loi de 1905, la séparation d'Église et l'État. Donc, ce qui est ennuyeux, c'est que même en période de crise, on a dû repousser le mariage. Enfin, certaines personnes ont dû repousser le mariage. Et c'est d'autant plus gênant que même sur le plan civil, le mariage a perdu beaucoup de sa raison d'être, en particulier avec le Pax. Donc là aussi, nous assistons à ce qui est indirectement une manière de l'État de régir les cultes et de se mettre au-dessus. Or, en tant que chrétien, je ne rappelle que rien n'est au-dessus de Dieu et que nous n'avons pas à servir l'État quand il nous empêche de servir Dieu. Nous avons à avoir une attitude de réserve. Il ne s'agit pas d'être hors la loi, il s'agit de garder la réserve voulue et le recul nécessaire. L'État n'a pas à nous obliger, par exemple, à la manière dont nous célébrons le culte. Certains ont cru qu'il ne fallait plus célébrer de messe à cause du confinement, mais plutôt à cause du nombre de personnes. C'est totalement faux. L'État n'a pas à intervenir dans la manière dont nous célébrons les obsèques de quelqu'un avec ou sans messe. Alors, voilà des points qu'il nous faut rappeler. Comme évêque, quel bilan tirez-vous de cette épreuve ? Alors, bien sûr, comme dans toute épreuve, il y a des difficultés, des joies et des peines. Il y a eu, pour les joies, le rassemblement par visioconférence, par moyens techniques d'un certain nombre de personnes, même les prêtres. Moi, ça m'a permis de prendre des nouvelles très directement
de chaque prêtre. Oh, ils ne sont pas nombreux dans ce diocèse, mais c'était une nécessité pour eux et pour moi. Ça a été aussi pour certains prêtres de prier ensemble par Skype ou par visioconférence. Il y a également eu des signes de charité, d'aide. Le diocèse de Paris a servi un très grand nombre de paniers repas à des gens démunis, car la crise a aussi cette conséquence économique très douloureuse que nous allons voir beaucoup de nouvelles pauvretés que nous voyons déjà. Le reste, ce qui reste négatif, c'est une grande panique. La plupart des médecins que je rencontre et que je connais sont effrayés de la panique qui s'est emparée du public. On le voit dans nos messes, les gens sont masqués, n'osent plus bouger. Bien sûr, il faut prendre des précautions, encore un peu, mais les gestes de fraternité n'ont pu se faire à cause de la panique. L'annonce systématique des morts chaque soir était un moyen de démoraliser les personnes, comme si on annonçait tous les jours les morts de cancer ou d'infarctus du myocarde. C'est très anxiogène. C'est totalement anxiogène. Et les personnes seules l'étaient encore plus. Le traitement des personnes âgées dans les EHPAD, qui a été honteux, qui est sans commune mesure avec ce qui se passait. D'ailleurs, c'est pareil pour la suspension du culte. Nous avons bien vu l'arrêt du Conseil d'État qui nous a expliqué que c'était disproportionné et qui a cassé les décisions du gouvernement, comme la question d'envoyer des drones pour surveiller ce que nous faisions. Et en revanche, de poids et de mesure, c'est-à-dire des manifestations que nous avons vues ces dernières semaines, qui dépassent l'entendement devant la cohue qu'elle suppose et la promiscuité qui s'y développe. Donc, grande incohérence. Et d'autre part, contrairement à ce qu'on se dit parfois, des délations et des comportements suspicieux ont montré que l'homme reste souvent un loup pour l'homme et que ces situations-là sont des situations qui développent cette tendance individualiste qui s'oppose aux autres et qui fait se refermer sur soi-même. Le masque signifie que l'autre est un ennemi potentiel puisqu'il peut me nuire potentiellement. Et symboliquement, c'est très ennuyeux. C'est pourquoi, en tant que célébrant, je me refuse à porter ce genre de choses quand je célèbre la messe. Donc, il y a quand même une fracture, je ne veux pas dire comme M. Chirac, sociale, mais une fracture dans la relation entre les personnes et dans la construction de la société. Eh bien, merci infiniment, Excellence, de ces éléments d'analyse qui, je l'espère, redonneront courage et espérance à nos téléspectateurs. Eh bien, merci, M. Mongendre, et bonne route pour TV Liberté, et au plaisir de se retrouver. Et je l'espère, merci. À bientôt. Merci infiniment. Au revoir. Bonjour Pierre de Lauzin. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Vous venez de publier aux éditions MAM un ouvrage qui m'a passionné, L'argent, maître ou serviteur. Vous avez un CV impressionnant, vous êtes polytechnicien, énarque, ancien haut fonctionnaire et président de l'Association des économistes catholiques. Alors, première question bien sûr. Que nous disent les évangiles de l'argent ? Ben, les évangiles parlent beaucoup de l'argent, mais chacun picore en prenant ce qui lui convient. Or, en réalité, il y a deux messages. Il y a un message fort qui est l'utilisation de l'argent dans l'économie. Et les évangiles parlent énormément d'économie. Beaucoup de paraboles sont économiques. Ça nous apparaît naturel, mais c'est le seul texte religieux qui fait ça. Et puis, il y a le message en même temps, évidemment, l'argent et ses risques, c'est-à-dire l'argent et la fascination qu'il peut exercer. Et il y a une phrase qui résume ça très bien, qui est « Faites-vous des amis avec le mammon d'iniquité ». C'est-à-dire, un, attendez, ce truc est dangereux. Deux, il faut l'utiliser très activement, notamment dans le don, qui est évidemment une des grandes recommandations dans les évangiles, mais plus généralement dans l'ensemble des usages qui sont dans l'économie, mais évidemment tournés dans le sens du bien. Alors justement, à propos de ce que vous venez d'évoquer, est-ce que être riche, selon l'Évangile, c'est avoir beaucoup d'argent ? Ben, si on prend certains textes, on va en dire « malheur aux riches, vous avez votre consolation », etc.
Et puis aussi, il est plus difficile à un riche de rentrer au royaume des cieux qu'au chameau de passer par le trou de l'aiguille. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir la réaction des apôtres, parce qu'ils se sont sentis visés. Or, ils n'étaient évidemment pas riches selon tous les critères disponibles. Mais ils ont très bien compris que ça voulait dire celui qui se sent d'abord riche, c'est-à-dire qui s'identifie à sa richesse et qui, de ce fait, croit la posséder, mais en réalité, c'est un peu lui qui est possédé par sa richesse. Mais par ailleurs, vous voyez des personnages comme Zachée, qui est un petit escroc, c'est un financier, mais c'est quand même un escroc, mais pas totalement. Donc, il donne une partie de ses biens, mais il en garde. Joseph d'Arimathie, par exemple, est un homme riche qui aide le Christ et qui jouera un rôle essentiel. C'est lui quand même qui procurera le tombeau et c'est lui qui mettra le Christ au tombeau, ce qui est un rôle absolument extraordinaire. Et cet homme riche, évidemment, n'aurait jamais pu jouer ce rôle-là s'il n'était pas un homme riche au conseil, etc. Alors, il y a une phrase qui m'a marqué et j'aimerais que vous m'explicitiez un petit peu. Vous écrivez « Il y a priorité au bon usage de la richesse par rapport à sa distribution ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Ben, c'est un peu l'idée, justement, faites-vous des amis avec le mammon d'iniquité, c'est-à-dire utilisez-le et utilisez-le bien. Et il y a presque un investissement. Par exemple, il est dit, ne donnez pas à un riche parce qu'il va vous le rendre. Donc l'opération est blanche. Tandis que si vous donnez à un pauvre, il ne pourra pas vous rendre. Donc c'est Dieu qui vous rendra, mais il vous rendra au centuple. Donc ça veut dire qu'il est tout à fait essentiel d'utiliser cet argent. Mais pour l'utiliser, évidemment, il faut en avoir un minimum. Donc l'accent est constamment mis sur le bien que l'on peut faire avec l'argent. Mais vous ne trouvez nulle part dans toute la Bible un discours égalitaire en termes de revenus ou de redistribution. Il y a un immense souci du pauvre, c'est-à-dire de celui à qui ça manque. Donc il faut s'occuper du pauvre, il faut s'intéresser aux pauvres. Et on est gravement coupable si on ne s'intéresse pas au sort des pauvres. Mais les pauvres, c'est une chose. La redistribution d'ensemble n'est pas essentielle dans ces textes-là. En revanche, réfléchir à savoir qu'est-ce qu'on fait avec son argent, c'est très très important. Il y a plusieurs pages dans saint Thomas d'Aquin très intéressantes là-dessus parce qu'il donne une espèce de plan d'action. Comment je vais essayer de raisonner pour utiliser mon argent? J'ai mon devoir d'État, ma famille, ça c'est une priorité. J'ai les pauvres, deuxième priorité. Quand j'ai fait ça, je donne notamment la dîme et autres, mais ça peut être aussi j'investis dans des choses qui sont importantes au niveau collectif. C'est ce que le pape Pie XI appelait, avec saint Thomas, la vertu de magnificence. C'est-à-dire quelqu'un qui a de très gros moyens, mais qui les utilise très bien pour utiliser faire quelque chose qui, justement, est beaucoup mieux parce qu'il a des moyens, applique cette vertu de magnificence, qui est une belle vertu. Donc, c'est la manière dont il a utilisé qui a été très important. Et le pape Pie XI parlait notamment de ceux qui investissent dans des entreprises et qui créent beaucoup d'emplois. Alors, s'il investit dans l'entreprise pour faire le maximum d'argent, ça, évidemment, il est complètement dans le mammon d'iniquité. Si, en revanche, il utilise et il crée des emplois, il fait du bien. Et donc, il l'a bien utilisé. Il l'a mieux utilisé que si on l'avait distribué de façon plus égalitaire, mais que les gens l'utilisent essentiellement pour aller au McDo ou regarder, je ne sais pas trop quel film, à la télévision. – Alors, vous abordez un peu également dans votre ouvrage la question du droit de propriété. Ce droit de propriété est-il un droit absolu ou y a-t-il des limites au droit de propriété en fonction de ce que vous venez de dire ? Ben, la doctrine sociale de l'Église sur ce plan-là est assez claire et bien élaborée. C'est-à-dire, d'un côté, le droit de propriété est reconnu comme un droit fondamental parce que c'est un prolongement de la personne. La personne, nous sommes des êtres matériels, nous agissons dans la matière et pour ça, nous avons besoin de nous approprier la matière. Si nous n'avons pas la matière à nos dispositions, nous ne pouvons pas agir dessus. Et en plus, quand nous y agissons, nous créons un produit et ce produit est naturellement à nous. Mais en même temps, il y a ce que Saint Jean-Paul II appelait une hypothèque, c'est-à-dire c'est subordonné à une idée plus générale de destination universelle des biens, c'est-à-dire qu'il faut utiliser ces biens dans le sens du bien commun et non pas dans un sens purement privé. Autrement dit, on n'est pas dans le schéma ou libéral ou social-démocrate, j'ai gagné de l'argent ou on me l'a redistribué et j'en fais ce que je veux, c'est je l'ai reçu. Et donc, je suis responsable de l'utiliser comme je veux, en ce sens que je suis libre, mais pas comme je veux au sens selon mes caprices, comme je veux dans le sens du bien commun. – Et qui, dans cette optique, et selon quelle modalité, serait habilité à intervenir ?– Intervenir sur… à partir du moment où vous avez un bien quelconque, vous avez de l'argent ou n'importe quelle autre forme de bien,
vous êtes, évidemment, si c'est dans des conditions légales et légitimes, vous avez un droit et un devoir. Vous avez un droit de l'utiliser, de déterminer l'utilisation, mais vous avez un devoir. Je vais réfléchir, qu'est-ce que, dans le fond, il est attendu de moi, dans le sens du bien, pour que j'utilise cet actif, qui est, en fond, une forme d'outil, finalement. Vous évoquez dans votre ouvrage la question du juste prix. C'est quoi le juste prix ? Alors le juste prix, c'est un thème qui était très élaboré par les scolastiques à l'époque médiévale. Alors on dit les scolastiques, oulala, c'est vieux, etc. Pas du tout, c'est eux qui ont inventé toutes les bases de l'économie politique. Simplement, la différence fondamentale avec ce qui s'est fait au XIXe siècle, c'est qu'ils l'inséraient dans le cadre de la morale. Dans la somme de Saint-Thomas, c'est dans la question du bien, de la morale. Et le juste prix, ça veut dire que je vais essayer de ne pas voler, et de ne pas être volé non plus. Bon, dit comme ça, c'est un peu abstrait. Quand vous regardez de près dans Saint Thomas, par exemple, vous voyez que le juste prix, c'est un usage social qui largement se dégage de l'état du marché. Mais ce n'est pas le marché du libéral à l'état pur, c'est-à-dire toute forme de rencontre entre une offre et une demande, c'est une offre et une demande qui se rencontrent dans un cadre qui permet le plus possible de le dégager, c'est-à-dire un marché qui n'est pas manipulé, où il y a une information correcte, où les gens cherchent plutôt à trouver un prix équitable, plutôt qu'à essayer de profiter systématiquement de toutes les faiblesses des autres. Mais il y a cette idée qu'il faut chercher le juste prix. Alors là aussi, ça peut paraître abstrait, on va dire, oui, il y a des marchés organisés à la bourse et autres, mais moi, citoyenne basse, ça ne me regarde pas. En fait, ça regarde un peu tout le monde. Ça regarde déjà quand je vais au supermarché, parce qu'il y a des prix. Si j'achète quelque chose, j'envoie un signal. Ça veut dire que je considère que ça me convient ou que le prix me convient. Si j'achète un produit de luxe et que je sais parfaitement qu'il y a une marge de 90%, en un sens, je suis complice avec un prix qui n'est pas un juste prix. Quand un sac est vendu à un prix, mettons, de 100, là où en réalité il coûte 20 à celui qui le vend, il est clair qu'on n'est pas dans un juste prix. Alors, il est aujourd'hui très à la mode, après la crise liée à la pandémie du coronavirus, de dire que pour relancer l'activité économique, il n'y a qu'une seule solution, c'est la relance par la consommation. Qu'en pensez-vous ? Je dirais, ça ne me paraît pas le point central. Il y a une dimension qui est légitime, c'est qu'on voit bien qu'il y a des professions qui n'étaient pas convenablement rémunérées. Tout le monde cite les infirmières et on a raison, bien entendu. Donc il y a une question de justice ou d'équité dans la société. Il y a un besoin aussi de relancer l'activité. Mais le point fondamental que nous avons, c'est plutôt de poser la question, quelle économie voulons-nous ? Et une économie que nous voulons, c'est aussi, dans une mesure non négligeable, l'économie que nous faisons, et notamment dans la manière dont nous dépensons notre argent. Puisque dès que je commence à dépenser, j'envoie un signal. J'ai envie d'acheter sac à un prix démesuré, ou j'achète une Bible. J'envoie un signal au marché. Moi, j'aime les Bibles. Bon, très bien, le marché réagit, il envoie des Bibles. Merci beaucoup, cher monsieur, de toutes ces précisions. Donc, je renvoie nos téléspectateurs à cet ouvrage de Pierre de Lauzin, « L'argent, maître ou serviteur » aux éditions MAM. Donc, c'est tout à fait intéressant. C'est de taille modeste. Ça fait 181 pages. C'est bien charpenté. Le plan est clair. Voilà. Je crois que tout le monde aura beaucoup de profit à lire cet ouvrage. Nous nous retrouvons donc pour notre prochaine émission le 28 juin prochain. Et d'ici là, que Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit nous garde. Bon dimanche et bonne semaine à tous.